Le Père Noël à Tours, première. Vous l'aurez compris, le Père Noël lui-même était présent pour ouvrir les festivités du marché de Noël. Un marché aux lumières les unes plus belles que les autres, où l'on oublie le froid glacial devant les marrons chauds quand on n'a pas déjà craqué devant une crêpe au chocolat. Mais le marché de Noël est surtout une belle occasion de promener en famille. C'est une habitude qu'on a tous les ans en fait, c'est on vient à la rencontre du Père Noël qu'on a croisé avec les enfants. Et puis les enfants lui ont promis d'être sages, donc pour recevoir plein de cadeaux. Bah, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses et il y a plein de lumière et je trouve ça très joli. Moi je débauche, ça détend là, ça fait du bien et puis après je pense que ça permet à tout le monde de s'évader un petit peu aussi. Voilà, d'entrer dans les fêtes de Noël, de penser à autre chose et puis de se faire plaisir, d'être tenté par le chocolat, par tous les produits qu'on peut trouver sur le marché. C'est toujours pour moi le plaisir des lumières en fait, le plaisir de voir toutes les petites guérites avec les lumières et ce qu'on peut y voir qui nous plonge dans l'ambiance de Noël en fait. Une ambiance de Noël que les commerçants essaient de créer au mieux pour satisfaire leurs visiteurs. Une petite parenthèse dans la vie quotidienne de chacun, mais surtout une approche de la consommation plus détendue. C'est différent de ce qu'on fait à l'année parce que c'est très festif, il y a le côté relationnel avec les gens. Moi, je trouve que le plus important, c'est la communication et puis faire plaisir aux gens dans les achats de Noël. Hein. Voilà, ça c'est très bien déjà. Ça nous change à l'année sur les marchés, sur les surfaces, le domicile, etc. C'est pas le même achat. Nous, normalement, on est de Poitiers, vous voyez. Et Poitiers, on n'y monte pas, on monte ici. C'est vrai que c'est quand même un beau marché de Noël et voilà. Il semble en tout cas que le marché de Noël ne ravit pas seulement le cœur des enfants. Une chose est sûre, le Père Noël y est pour quelque chose. Bien écoutez, je ne connaissais pas Tours, mais j'y reviendrai.